à tous, c'est Capitaine Flamme et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo tuto et aujourd'hui je vais vous apprendre à comment télécharger une vidéo de YouTube. C'est la suite de du tuto d'avant où c'était télécharger juste le son, donc cette fois-ci je vais vous apprendre à télécharger une vidéo. Donc pour commencer, vous allez vous rendre sur le lien que je vais vous mettre. C'est sur 01net, hein, c'est un des sites les plus connus pour les téléchargements de programmes. Et vous allez télécharger ce programme-ci qui s'appelle Internet Download Manager. Une fois que ça est fait, vous l'installez, c'est une bête installation comme d'habitude, vous l'installez. Et ensuite, vous allez lancer le programme. Moi je l'ai ici, donc voilà, ça c'est tous mes derniers téléchargements. Enfin, soit ça c'est pas trop grave, vous vérifiez que votre programme est lancé ici dans le gestionnaire de tâches et une fois que ça est fait vous vous rendez sur YouTube et là vous choisissez n'importe quelle vidéo. Je prends quoi, allez, cette vidéo là de MAF tuto. Vous regardez si la vidéo, enfin si c'est bien la vidéo que vous voulez. Je vais passer juste la pub juste pour voir si c'est une bonne vidéo. Ouais, voilà. Ensuite, ici vous allez voir, il y a cette petite bulle d'information qui s'est mise toute seule en dessous de la page. Donc vous cliquez dessus. Et alors là vous allez avoir la liste de tous les fichiers que vous pouvez télécharger sur la page en fait. Donc là le plus facile c'est les MP4 fichiers, c'est la qualité de base en fait. Donc là vous pouvez voir la vidéo, elle existe en 240p, 360, 480 et 720p. Et ben le programme vous permet de télécharger le format que vous voulez. Donc le plus souvent c'est mieux de prendre le HD, hein. Donc là par exemple je vais faire ça, je clique sur le HD et là il y a cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Et vous cliquez simplement sur démarrer. Et ce qu'il y a de bien avec ce programme, c'est que il n'y a pas de limitation de vitesse. Donc en général sur les sites genre avant quand il y avait Mega Upload et tout ça, pour les gens qui n'étaient pas premium, eh ben il y avait une limite de vitesse. Mais le fait de le télécharger avec ce programme-ci, en fait, ça retire la limite de vitesse et ça vous permet d'utiliser pleinement votre connexion. Donc moi là ça va pas super vite puisque je suis à l'internat. Et c'est une connexion filière, on doit être 200 PC sur la même connexion, donc c'est pas toujours évident. Donc c'est à peu près tout ce que... Ah si, je devais vous montrer. Donc une fois que ça va être fait, vous allez dans votre fichier téléchargement et ensuite ici vous allez retrouver, il y a le dossier compressé, documents, musique, programme et vidéo qui va se créer automatiquement. Et alors vous irez tout simplement dans vidéo et là il y aura vos vidéos que vous venez de télécharger. Donc voilà, ce tuto s'affiche ici, se termine ici pardon. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.